Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur No Man's Sky. Alors aujourd'hui, on arrive sur une station Atlas et on va voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être est-ce que ça va être la dernière ou pas. Peut-être qu'on aura d'autres stations Atlas à aller visiter. Je rappelle quand même que c'est la quête principale, le chemin de l'Atlas, où il faut récupérer des rênes d'Atlas. Et donc j'ai enchaîné les sauts sur les différentes stations pour poursuivre cette quête. Et on va voir ce que ça donne. Alors, habituellement, j'ai des globes plutôt lumineux qui me permettent d'apprendre des mots. Et là, j'ai rien de tout ça. Donc, ça me permet de dire que peut-être on est arrivé à la fin d'un certain cycle. Peut-être. Peut-être la fin de la quête, on va voir. Plus de ça, la station paraît plus longue que d'habitude. Le chemin a l'air d'être plus long. Ça se pourrait. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est différent d'habitude, hein, en tout cas. Alors, comment ça marche? Peut-être est-ce qu'il faut que je fabrique les différentes graines pour les insérer ici? Ça, c'est fort possible. Parler avec l'Atlas. Tiens. Trouver la prochaine. J'ai trouvé. Elle réclame ses graines. Je me sens obligé d'obéir. Waouh! Ah ouais, donc en fait, récupérer des graines d'Atlas, j'ai trouvé une interface Atlas à bord d'une station pourpre me parler d'une voix comme je n'en ai jamais entendu. Elle réclame des graines, je me sens obligé d'obéir. Alors peut-être est-ce qu'il faut que je fabrique les graines, hein? Ah non, c'est ici, chambre des semences d'Atlas. Ah ouais, peut-être qu'il fallait que je fabrique les graines. J'espère que non, parce que vu les compos, je suis pas du tout prêt à ça. On va se mettre un petit peu d'oxygène, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Ensuite, ah non, peut-être qu'il faut déverrouiller les différentes chambres des semences de l'Atlas. Ça a l'air d'être à peu près ce qu'il faut faire si j'en crois le processus. Et ben on va enchaîner ça. Ça correspond un petit peu à toutes les je pense que toutes, on va regarder ça, toutes les compos que j'ai pu déverrouiller. Donc ça par exemple c'est une graine d'Atlas, il y en a deux, trois, est-ce que la orange, ouais j'en ai deux là, 3 4 5 6 7 8 9 10, j'en avais 10. Et là, on a déverrouillé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Ça a l'air de correspondre. Ouais, c'est ça. Ça correspond au nombre de graines. Bon, heureusement, il n'y avait pas les craftés. Voilà. Donc, à première vue, on en a. Donc, on va recompter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la dixième, ça a l'air d'être au centre. Donc, ça correspond à nos 10 graines. Donc, je pense qu'il faut visiter. Ah, mince! Cœur du soleil nécessaire. Waouh, ça j'ai pas ça.
Ah, il va falloir aller farmer cette histoire-là. Requis un cœur du soleil. Ok. Donc un cœur du soleil, ça se craft comment ça? Cœur du soleil, c'est celle-là. Quantas modifié 1 et de l'or 100. Quantas modifié. Waouh. Réaffirmation Nova. Oh. Ah ouais, c'est un truc qui s'enchaîne en boucle en fait. Je suis obligé de tout crafter. Waouh. Bon. Donc c'est la quête finale de l'Atlas. On est obligé de crafter toutes les graines une par une. Commencer par la première. Pour crafter la deuxième qui est l'ombre englobée, il faut le nanote captif. Une fois qu'on aura l'ombre englobée, on va voir qu'on va crafter la suivante, ce qui nécessite l'ombre. Et à chaque fois avec du cobalt, de la ferrite, du métal chromatique, du cuivre, du cadmium. Il y a des choses que j'ai pas, qu'il va falloir aller farmer. Donc bah voilà, en tout cas pour cette petite vidéo chemin de l'Atlas. Donc je suis arrivé à la destination finale de cette quête qui s'appelle le chemin de l'Atlas. Et donc il faut crafter toutes les graines. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. On a découvert un petit peu la station. On a vu ce qu'il fallait. Et maintenant on va aller préparer tout ça. Ce sera l'occasion de faire une prochaine vidéo. Alors je vais en profiter pour faire un petit screen. On va faire un petit screen. Hop, une petite photo. Et voilà. Donc, bah, en tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le chemin de l'Atlas. On verra la suite au prochain épisode, dans la prochaine vidéo, avec le crafting des différentes graines et puis l'insertion. Là, je vais partir farmer du coup tous ces matériaux-là. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.